Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, normalement 41e jour de vlog. Je suis désolée pour ma face, mais je suis même pas habillée. Donc ouais, je me suis endormie hier, il était 4h du mat, donc plus tôt que d'habitude. Sauf que bah voilà, depuis ce matin, depuis 10h, les voisins sont dehors avec leur mioche qui braille, qui braille, qui braille. Je sais que les commandes immortelles pour eux, les grasses matinées, c'est 9h du mat, mais putain, mais laissez-nous dormir quoi. Donc, j'essaie de dormir avec des bruits d'enfants, donc je dors en semi-sommeil éveillé, donc je suis morte. Je pensais aller prendre du temps. En plus, j'ai oublié de me démaquiller hier, donc j'ai une gueule catastrophique. Ma mèche qui est pleine de lac qui n'est pas lavée non plus. Et je compte aller prendre une douche ce matin. Donc en fait, mon chien vient de me choisir ma place sous la douche. Donc, ce qui veut dire que oui, je vais prendre ma douche après, faut que j'attende qu'il sorte. J'attends qu'il est très long sous la douche et qu'il vide toujours le chauffe-eau et que je vais me taper la douche froide. Donc, c'est pas, je sors pas cette journée. Donc, honnêtement, je parlais d'un live, mais vu la gueule que je vais me taper, il y a peu de chances que je live aujourd'hui parce qu'il faut encore qu'on fasse des cochons. Faut qu'on fasse encore des essais techniques pour une manette, voir si elle fonctionne. Voir si elle fonctionne pour que je puisse jouer à la manette sur le PC. Et puis en plus là j'ai pas le temps de tourner des vidéos, faudra que je tourne des vidéos pour mercredi. Je peux pas faire les deux. Parce que là je tourne mon live dans moins de 3h, enfin quand je prenne ma douche, que je sèche mes cheveux, que je mange, que je teste la manette. Je vais pas faire de live aujourd'hui, je suis désolée mais là je le sens pas. Ou alors je ferai peut-être le live en soirée. Vu que ce soir je vais finir plus tôt, je vais peut-être faire un live de soir. Parce que j'ai besoin de la luminosité pour tourner une vidéo, alors que autant la luminosité pour faire des lives c'est pas grave. Donc je ferai peut-être un live à genre 22h. On verra, on testera le public à ce moment-là. Même s'il y a les plus gros streamers qui stream le soir. On verra. Bref, je vous laisse parce que de toute façon je vous bats la gueule, ça sert à rien. Donc je vais aller modérer mes trucs, sortir les chiens alors que je suis en. Je suis en bas de maillot avec un haut de sport, enfin bref, je ressemble à rien, mais... Voilà, ça va mieux, il est 3h15, donc ça y est, douche prise, petit déj pris, maquillage fait, cheveux faits, lissage fait, je suis prête à pouvoir lancer mon live dans moins de 45 minutes. Je pense que comme je finirai à 18h, il fera pas encore total, enfin le soleil devra pas avoir trop descendu, donc je tournerai ma vidéo après, parce que je vais quand même faire un live aujourd'hui. Par contre, j'avais prévu de faire un live donc sur Spyro, mais finalement il va falloir que je m'entraîne avant, parce qu'on n'arrive pas à brancher la manette n'est pas compatible avec le jeu. Bref, donc bah en attendant, je m'entraînerai avant pour jouer au clavier. Donc là, je vais refaire un coup de House Flipper et puis on verra après pour faire du Spyro un petit peu plus tard.
il est 18h passé, le live est terminé, donc j'ai encore pas mal avancé sur House Flipper aujourd'hui. On a fait quoi, 3-4 maisons. J'ai pas eu plus de viewers, mais bon, j'étais en concurrence avec Marcus, qui est un ancien high level qui joue aussi à House Flipper sur PS4. Je risquais pas d'attirer du monde. Bref, Momo est très joueur en ce moment. Donc là, en tout cas, je vais me mettre en place pour tourner ma vidéo pendant que la lumière est pas trop mal située. Donc faut que je tourne ma vidéo pour les occupations. Donc je vais me lancer tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de tourner la vidéo avec la partie occupation pendant le confinement, donc je vais pouvoir ranger tout ça, surtout que ça a bien excité les loulous parce que les loulous s'en servent pour manger. Donc je vais en sélectionner quelques-uns pour par rapport à ma liste là, pour penser à filmer chacun des produits pour une explication en vidéo de comment on utilise chacun des produits. Donc voilà, je vais aller nourrir les doudous et en profiter pour faire ça. Il faut qu'elle soit prête pour mercredi. Donc poivron rouge et endive pour les cochons d'Inde, restant de pâté pour les dix, j'en profitais pour filmer différentes parties de la vidéo pour la partie occupation. Donc là on a du bœuf pour les doutes pour Lexi et Amaury et du cerf pour Kitty. Voilà, toujours avec le sprat, le coup de poulet, un coup de canard et voilà. Donc voilà, en fait il me fallait un plaid pour faire une des démonstrations d'occupation pendant les repas, et en fait je me suis souvenu que j'avais ce truc là pour les cochons d'Inde dans lequel je me sers absolument jamais. Et je me suis dit en fait pour chercher des croquettes là dedans pour Kitty ça peut être marrant en fait. Puisqu'elle, vu la taille qu'elle fait, elle fait la taille d'un furet, donc elle peut même rentrer dans le tunnel. Tu rentres dans le tunnel. Elle peut rentrer dans le tunnel. Je suis sûre, je mets un truc au bout, elle sort de l'autre côté. Voilà. Et puis là, il y en a qui sont encore en train de s'occuper. Amaury, veux-tu bien lui laisser manger sa dose quand même? Le gosse. Déjà, je te donnais de la pâtée aussi tout à l'heure. Et puis après, faut tout récupérer pour tout ranger. Et t'as toi. Qu'est-ce que t'as un gros pif? Qu'est-ce que t'as le gros pif?